le lac Saint-Jean, si je me trompe pas. Les paysages par ici, ça change vachement. Ça n'a plus rien à voir avec, avec l'autre côté, avec la baie James, avec tout ça. Ouais, donc voilà, le lac Saint-Jean. Ouais, j'ai pas trop traîné là parce que. Juste pour vous montrer un petit peu, on mettra en route plus tard. Allez, à plus. Pour l'instant, vous verrez pas le camion, vous verrez pas tout ça parce que la société pour laquelle je suis pas trop d'accord, et bon voilà, ça se comprend hein. Donc alors je vais continuer les vidéos sur les sur la route, sur les paysages, sur tout ça hein. Alors même s'il y en a, je vais vous demander quelque chose, même s'il y en a qui disent ah bah t'es chez un tel ou chez non, ça j'en veux pas, il n'y a pas de t'es chez un tel ou chez un tel. Tant que moi j'ai pas l'autorisation de pouvoir parler de la société, de pouvoir montrer le camion, je veux pas qu'on en parle. Parce que c'est simplement par respect par rapport à mon patron, par rapport à mon boss, et voilà quoi, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc je vous demanderai de respecter ça aussi, hein, s'il vous plaît. Et puis deuxièmement, ok, fait la route de la baie James pendant un an et demi. Je suis monté jusqu'à Brisé là-bas. Franchement, comparé à la 389, la route de la baie James et la Trans-Taïga, c'est de la rigolade. Et quand je dis de la rigolade, c'est vraiment de la rigolade. Quoi. C'est. Ça n'a strictement rien à voir. C'est. Vous prenez ici la 389, je vais commencer de l'autre côté. Vous prenez la route de la Baie James, enfin la route Billy Diamant, c'est plat. Si vous avez des côtes à 2-3%, bon, d'accord, quand vous arrivez sur les gros aménagements, là vous avez des côtes à 10-10%.
au maxi. Ici, tout le long, tout le long, tout le long, quand vous prenez la côte nord, là, vous prenez la je ne sais même plus par quelle route je suis passé, donc la 389 ici, là, vous avez des côtes, ça commence, ça vous dit, ça commence à 8, puis de 8, bon, ça plonge à 12, à 12%. Alors vous savez que si jamais ça descend, forcément de l'autre côté, il faut que ça remonte. Donc pour l'instant, plus j'ai eu 12%. Et croyez-moi qu'en étant chargé comme je suis chargé, là, j'arrive en haut, je suis en troisième, je suis à 20 km/h, pas plus. Hein. Et là, comme on dit, les coups de cul, il y en a quoi. Alors la route de la BGM, c'est à côté, franchement, t'as fait la BGM, ouais, quand même. Ouais, d'accord, on monte haut dans le nord, brisé, et c'est haut, c'est au-dessus du 54e parallèle, d'accord. Mais après, ouais, d'accord, c'est de la gravelle sur 500, Trostaïgo, c'est de la gravelle sur 583, enfin 640 km, quoi. Ouais, d'accord, mais elle est facile, franchement, elle est très facile. Ici, c'est hard, c'est chaud. Moi, je me suis vu là louper une vitesse dans une côte à 12%. Et ben, c'est rideau quoi. Tu t'arrêtes, tu claques les feux de détresse, et puis tu. Même la première, elle passe pas. Donc, tu es obligé de prendre l'extra lente. Ce qu'on appelle nous l'extra lente. Donc, la première, mais petite, petite. Et puis, tu redécolles comme ça, même en redécollant comme ça, tu sens le tracteur qui saute. Et puis tu montes comme ça tout le long, t'as pas le choix. Voilà. Alors, vous voulez apprendre à vous servir d'une boîte Fuller Eaton comme il faut, et ben faites la 389. Et je vous prie de croire qu'à la fin de votre premier voyage, votre boîte, vous allez savoir vous en servir comme il faut. Parce que vous n'avez pas intérêt à vous louper. Pour être franc, moi qui pensais savoir m'en servir de la boîte. Eh ben, non, pas du tout. Là, croyez-moi, vous apprenez vite. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, vous apprenez très vite. Hein. Mais bon, voilà, quoi, c'était juste pour vous dire que pour y finir, là, la Trans-Taïga, la route de la Baie James, ouais, c'est enneigé, mais c'est plat comparé à ici. Alors, regardez, là, il s'arrête, la dame. Ah, ouais. Et franchement, c'est. C'est chaud, c'est dur. Ceux qui font que ça, écoutez, moi franchement, les gars, je leur tire mon chapeau. Parce que je pensais que la BGM, ça a été difficile. La BGM, ça n'est pas difficile du tout, du tout. Est simple, c'est j'ai peut-être en vexé certains, hein, mais la route de la BGM, c'est du pipi de choc, quoi. C'est de la rigolade à côté d'ici, c'est de la rigolade. Ben voilà, quoi. Ouais, donc, surtout si au cas où vous dites pour la société, le patron, pour l'instant, je dois en discuter avec lui, j'attendrai. Voilà quoi. Donc même si certains disent ah t'es chez un tel, je vous demande de respecter ça. Si c'est respecté, c'est très bien, les vidéos continueront. Si c'est pas respecté, c'est simple. J'arrêterai les vidéos purement et simplement. Je prendrai peut-être encore quelques photos, quelques trucs comme ça. Mais j'arrêterai parce que voilà. Par respect par rapport à mon boss et puis purement et simplement quoi. Donc voilà, ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci encore de suivre. Là maintenant je peux plus dire de nous suivre avec Elrico parce que voilà quoi.
Et donc, ben, bonne journée, à plus, à plus, et puis ben, ouais, et puis à plus, allez, bye bye. Ouais, salut tout le monde, bon, je remets en route un petit peu là, pas long, juste pour vous montrer la 389 dans toute sa splendeur. Alors pour l'instant, je vais vous dire, franchement, j'en ai chié pour la faire. Et on m'a dit, t'as pas passé le pire. Hein. Le pire reste à venir. Donc ça promet. Bon, voilà quoi. Ouais, je traîne pas trop, je vais juste comme ça pour vous montrer un petit peu. Et puis, allez, à plus. Labrador. Hop, je passe. Voilà, bah. Un petit peu plus de trucs fait quoi. Ah bon, bah allez.
bois. Et sinon, après, en route comme ça, nos fois, elle est pas désagréable du tout. Elle est pas désagréable. Franchement, je vais vous dire, là, je vais être franc avec vous, j'appréhendais un petit peu pour la descente, parce que bon, parce que 17%, on n'a pas ça tout le temps, surtout pas en Europe, très peu. Et là, franchement, je n'étais pas franc du tout pour la descente. Puis, bah, pour y finir, en y allant bien calmos, bien comme il faut, désagréable du tout. Juste un petit coup de frein ici pour voir le tour de la courbe tranquillement, tranquillement. Et voilà, c'est passé dans du bonheur. Alors je vais mettre pressé. Sur des trucs comme ça. Jamais être pressé pour les descendre, pas courir.